Guillaume Meurice, oui. Que se passe-t-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, droit de réponse, Charline. Voilà, j'ai donné la parole il y a quelques jours, rappelez-vous, à Cédric Héroux, un agriculteur qui habite à la frontière italienne et qui aide les réfugiés. Un délinquant. Bref, voilà, voilà, un délinquant, une saloperie d'islamo-gauchiste, tendance punk à chien, producteur de tapenades hein, de surplus. Bref, un étranger, un danger pour la République selon la droite, ou l'homme idéal pour Charline Van Hoenacker. Depuis, il s'est passé des choses pour Cédric. Il y a eu son procès. Le procureur a requis contre lui une peine de 8 mois de prison avec sursis. Mais il a été également élu azuréen de l'année par le journal Nice Matin. Oh, le scandale. Ouais, Nice Matin, qui est un journal de gauche, à peu près autant que le journal La Croix et le Kama Sutra. Vous voyez à peu près le genre. Mais bon, il a gagné. Et le résultat de ce vote a beaucoup énervé Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, donc, je l'ai dit, droit de réponse. Donnons la parole à Éric. Cette élection repose sur une sélection d'abord. En même temps, c'était une élection, les gens ont voté. Mais peu importe. Oui, on s'en fout, hein, le vote, on s'en tape. C'est la grande tradition de la démocratie à droite, qui va de Charles Pasqua à Jean-François Copé, en passant par Jean Tiberi, que des démocrates en puissance. Les Montesquieu de l'avenue Montaigne, hein, comme on les appelle. Mais bon, Éric Ciotti est choqué, et ça, attention, on respecte. Ce qui me choque, c'est qu'on mette en exergue des comportements qui, pour moi, sont dangereux. Mais pourtant, il sauve des vies aussi un petit peu à sa manière, non ? 5000 morts l'année dernière, non, il ne sauve aucune vie. Alors, première info, Cédric Héroux ne sauverait aucune vie. Les gens qui récupèrent sur le bord de la route seraient donc de simples randonneurs. Étrangers, certes, mais qui s'entraînent pour Koh-Lanta, certainement. On le sait, il y a beaucoup de Syriens, de Soudanais, d'Érythréens qui rêvent de rencontrer Denis Brogniart. C'est un petit peu notre rêve à tous, on peut comprendre. Alors que nous, bon, bah, comme des cons, on se disait juste que ces personnes étaient en péril. Mais ces personnes ne sont pas en péril. Elles sont en situation illégale sur le territoire national. Si elles dorment dehors dans la montagne, elles sont peut-être un peu en péril. Il n'y a pas de péril. Il n'y a pas de péril. Il n'y a pas de péril, vous voyez, il n'y a pas de péril. Voilà, laisser des gens dormir dans la montagne en chaussettes et en t-shirt, surtout quand on est mineur. Hein. On le dit d'ailleurs aux jeunes qui nous écoutent. Tentez le coup. Hein, bon, il y a un risque de finir en surgelé, mais bon, c'est vivifiant quand même la montagne. Renseignez-vous sur le site internet véroniquecourgeot.com. En attendant, revenons à Cédric hein, et aux autres qui aident les réfugiés. Que doit-on en penser ? La pratique de ces personnes, c'est tout le contraire de l'humanité. À ce point ? C'est la fermeté qui est gage d'humanité. 5000 morts en Méditerranée en 2016, c'est ça. Est-ce que c'est de la faute des gens qui les accueillent en France ? C'est la conséquence d'un message de trop grande faiblesse. Oui, alors, je fais un petit peu de traduction. Pour Éric Ciotti, faiblesse veut dire générosité. Il y a des mots comme ça à droite en politique. Par exemple, quand on vous parle de flexi-sécurité, il faut comprendre toucher rectal avec une batte de baseball. Vous voyez, il y a quand même une traduction à faire. Droit de l'homiste, par exemple, c'est devenu une insulte. Hein. Voilà, ils s'insultent comme ça à droite. Espèce de droit de l'homisme. Quoi ? Répète ça, saloperie d'humaniste. Oh, on se calme, hein, sinon je vous traite de gens intègres. Les débats sont quand même, non, c'est quand même vachement violent à droite. Il y a un langage à connaître. Mais de toute façon, est-ce que Cédric Héroux a vraiment fait preuve de générosité, selon Éric Ciotti? Quand M. Héroux a débattu face à Manuel Valls, finalement, il a démontré son vrai visage. Ce n'était pas celui de quelqu'un qui voulait faire preuve de générosité, c'était quelqu'un qui... Vous pensez qu'il ne fait pas preuve de générosité? La générosité de se mettre en avant médiatiquement, d'aller chercher des personnes en Italie avec des journalistes, je ne suis pas sûr que ce soit de la générosité pure. Mais bien évidemment, pourquoi il fait ça, Cédric Héroux? Parce qu'il veut qu'on voit sa gueule à la télé, tout simplement. Il veut vendre de la tapenade. C'est le lobby de l'huile d'olive, on le sait, Cédric Héroux. Ils sont ultra puissants, c'est scandaleux. C'est un mec qui cherche à être dans les médias et c'est tout. Heureusement qu'il y a des gens comme Éric Ciotti qui ont plus de retenue et qu'on ne voit jamais dans les médias. Enfin, en tout cas, pas plus d'une fois toutes les 5 minutes. Éric Ciotti, Ciotti d'ailleurs. Tiens, Éric Ciotti, ça résonne pas français, ça, dis donc. Il vient d'où, Éric ? Je vous transmettrai mon arbre généalogique. Comme tous les Niçois, on a des liens naturellement avec l'Italie, mais j'ai trouvé mon premier ancêtre italien qui venait de Trévis dans la 5e génération. Ah ben voilà, vous êtes un descendant d'immigrés alors? Du côté de ma mère, c'est une branche française, mais en tout cas, je crois que... Mais c'est pas grave, on vous accueille quand même. Non. Votre propos est très caricatural et très militant, monsieur. Oui, contrairement à Éric Ciotti, qui n'est jamais caricatural et jamais militant dans ses propos. Merci Éric, hein, donc on vit toujours dans un monde qui vante la libre circulation des marchandises, mais pas des personnes. Conseil aux réfugiés, donc, devenez un objet, vous aurez plus de droits qu'un être humain. Alors attention, si vous devenez un paillasson, hein, n'allez pas voir Éric Ciotti, il a déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci Guillaume Meurice.